Le suspense est tombé. La CENI a publié les résultats provisoires de l'élection présidentielle de décembre 2023. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo réélu président de la République démocratique du Congo avec 73,34% de voix. Voilà tout pour l'équipe. Encore une fois, bonjour et surtout, merci de nous avoir choisi pour vous informer à travers cette édition de 7h. Je l'ai dit, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo réélu président de la République démocratique du Congo selon les résultats complets provisoires de la Commission électorale nationale indépendante avec 73,34% de voix, nous dit Petit Samba. Fini le suspense, les résultats provisoires de l'élection présidentielle du 20 décembre 2023 ont livré leur secret. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est donné vainqueur avec 73,34% des voix contre son poursuivant direct Moïse Katumbi avec 18,08% des suffrages exprimés. Moment indiqué pour le président de la CENI, Denis Kadima Kazadi, de saluer l'organisation des scrutins. Article 2 est élu à titre provisoire. Le candidat numéro 20, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Denis Kadima Kazadi s'est insurgé contre les candidats fraudeurs. Si la quasi-totalité des acteurs politiques ont tous renoncé à boycotter les élections, c'est parce qu'ils ont en définitive confiance en la CENI. À elle seule, l'inclusion ne suffit pas pour évaluer la qualité d'un processus. Voilà pourquoi la CENI fait de la transparence une de ses valeurs majeures et l'a montré par l'intensité de sa communication avec les partis politiques, les candidats présidents, les organisations de la société civile, les jeunes, les femmes, les partenaires internationaux et les médias. La phase de dépouillement de vote s'est déroulée dans la continuité depuis l'affichage des procès-verbaux des résultats dans chaque bureau de vote, en présence des témoins, des observateurs nationaux et internationaux et des médias, jusqu'à leur récapitulation territoire par territoire et publication électronique au centre Bossolo tout au long de ces 8 journées passées ensemble. Et conformément à la loi électorale, les résultats provisoires seront également publiés sur le site web de la CENI dans les heures qui viennent. Notre centre Bossolo, en français, Vérité, a été une grande première en RDC et en Afrique centrale. D'autres étapes à retenir, c'est la publication des résultats partiels pour les législatives nationales, provinciales ainsi que pour les élections municipales. Et au quartier général de la campagne de Félix Tshisekedi, l'explosion des joies après la publication des résultats provisoires de l'élection présidentielle par la CENI. On fait le point avec Guylain Kabaloum. C'est en lettres d'or que sera gravée dans les annales de l'histoire de la République démocratique du Congo la date du 31 décembre 2023. Un réveillon de publication des résultats provisoires de la présidentielle, tout un symbole, mais pas seulement. C'est aussi une publication qui intervient en pleine journée et sans effusion des sangs dans le pays, une première. Au quartier général du candidat numéro 20, l'affluence était grande avant le moment M. Militants et cadres de l'Union sacrée n'attendaient que la confirmation par la CENI des résultats des tendances qui donnaient leur champion en tête de course. Les minutes s'égrènent, l'ambiance monte et le premier citoyen du pays fait son entrée au Kigé, chaleureusement accueilli. Toujours accompagné de sa tendre épouse Denise Nyakiro Tshisekedi, le chef de l'État se dirige au salon VIP pour suivre avec toute son équipe de campagne, sa famille et les têtes couronnées de l'Union sacrée la publication des résultats tant attendus. C'est donc à 16h02 que le président de la CENI débute la lecture de la décision portant proclamation des résultats provisoires de la présidentielle du 20 décembre 2023. Entouré des membres de la centrale électorale, Denis Kadima entame l'exercice. Au Kigé, la victoire n'est fait l'objet d'aucun doute. À l'annonce de la réélection du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, la joie a atteint son paroxysme. De votants, le président réélu a totalisé 13 millions de voix, soit 73,34%. Dans cette explosion de joie, tous veulent entendre le premier mot du vainqueur qui apparaît peu après
devant le grand public. Après des mots de remerciement à l'éternel Dieu et au peuple congolais, le sixième président de la République a fait savoir que cette victoire est celle du peuple. C'est ce second mandat, Félix Tshisekedi rassure qu'il sera pour plus d'actions en faveur de la population. Réélu provisoirement pour un second mandat en attendant les verdicts définitifs de la Cour constitutionnelle, le chef de l'État est suivi de Moïse Katumbi avec 3 millions de voix, soit 18%, Martin Fayulu 3% de voix et Denis Mukwege qui s'en sort avec 0,22 de suffrage. Je suis le président de ceux qui m'ont voté et de ceux qui ne m'ont pas voté. Ce sont là les mots du sixième président de la RDC après sa brillante réélection. On écoute Félix-Antoine Tshisekedi et Tshilombo depuis son Kijé de campagne. Cette victoire est la vôtre. C'est la victoire de la solidarité et de l'unité du peuple dans ce qu'il a de commun et dans sa plus grande diversité. C'est la victoire de la solidarité des Congolais de l'Ouest, du centre, du nord, du sud et de l'est de la République démocratique du Congo, tout autant que ceux de notre diaspora. Cette victoire, c'est aussi celle de la confiance que vous avez renouvelée à ma modeste personne en m'accordant sans équivoque et avec la plus forte expression ce deuxième mandat que j'ai sollicité auprès de vous, souverain primaire, après qu'une vingtaine d'autres prétendants à la magistrature suprême et à qui je tire ma révérence sollicitaient également vos suffrages. Je voudrais vous rassurer que ce deuxième mandat que vous venez de m'accorder sera dédié à plus d'actions pour la matérialisation de ces engagements et à l'éclosion de ces initiatives avec comme leitmotiv de ne jamais trahir le Congo. Et après cette publication par la CENI, les réactions se sont multipliées, notamment celles des candidats malheureux à l'élection présidentielle. On les écoute. L'histoire retiendra que les élections de 2023 en République démocratique du Congo ont eu lieu en date constitutionnelle, ce qui est à féliciter. En notre qualité d'opposant, positivement éclairé par un nationalisme républicain, nous avons résolu, dans le respect de la majorité du peuple congolais qui s'est prononcé à travers les urnes, de féliciter notre challenger, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui j'ai adressé personnellement un message de félicitations pour la confiance renouvelée par le peuple congolais. Des résultats tels que publiés par la CENI, il se dégage un écart criant entre nous, candidats président de la République, et notre challenger, Tshisekedi. Et puisque nous ne saurons plus rattraper ce retard, je tenais du fond du cœur à vous remercier et à m'incliner devant ces résultats. Jeune Katangais, jeune Kassaïen, jeune Kinois, jeune du Congo central, jeune de Bandundu, jeune de l'Équateur, jeune de la province orientale, jeune de Kivu. Je vous invite tous à ne pas vous laisser manipuler après la publication des résultats provisoires par la CENI. Outre ces candidats à la présidentielle, d'autres personnalités politiques ont également réagi à la réélection de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. On les écoute les unes après les autres. Aujourd'hui, je pense que le résultat est clair. C'est Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo ou rien. Donc nous, pour la toute première fois qu'un président en fonction soit élu massivement à la Tshangu, grâce aux efforts, grâce à l'équipe que nous avons composée. Le chef de l'État souriait sous la pluie, allant de gauche à droite, empruntant même des fois de communication et de transport très difficiles et périlleuses pour sa vie. Ça veut dire que rien n'était gagné d'avance. Nous avons travaillé dur à ses côtés, suivant sa vision, suivant son programme, suivant ses orientations. Et je pense qu'il avait le meilleur discours et la meilleure posture. Là, le peuple s'est exprimé à nous de nous incliner face à cette volonté populaire.
je me sens encore confronté et défié dans ma famille. Ça me rend très religieux. C'est notre bouche. Cette année, c'est le jour pour nous. C'est un jour pour nous. Je me sens en or de la population de la province de la Tchopo et à mon nom propre, nous présentons nos sincères félicitations au président réélu, je cite Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en ce jour que la CENI vient de donner les résultats. Et la population de la Tchopo attend beaucoup du chef de l'État réélu. Certes, la dernière fois, ils ont déjà compris la vision du chef de l'État. Maintenant, ils veulent vraiment la concrétisation de la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans la province de la Tchopo. Entre autres, la gratuité de la maternité qui est déjà opérationnelle dans d'autres provinces, mais aussi la réhabilitation de la RN4 et certains travaux qui ont été déjà lancés dans le cadre des 145 territoires pour définissage. Le peuple s'est exprimé. Sincères félicitations à son Excellence Fatih Béton, comme on l'appelle. Donc nos réactions, c'est demander au peuple d'abord au calme, se réjouir comme il se doit, et donc à ceux qui n'ont pas pu trouver la grâce auprès du peuple d'être élus, d'avoir le calme et d'accepter sportivement les résultats. Et je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu parce qu'on se rend compte que la Bible a toujours raison. Le pouvoir, ça vient de Dieu. Le pouvoir, ça vient de Dieu, ça vient de se confirmer. Et que tout ça s'est passé dans la transparence la plus totale. Je suis ravi parce que notre pays, je vais appeler à ça notre pays, l'Afrique du Sud, était aussi sélectionné parmi les pays pilotes qui devaient organiser les élections. Donc tout était fait de telle sorte que ce soit la transparence la plus totale. Pour la première fois en République démocratique du Congo, c'est avec le système de l'élection présidentielle à un seul tour, devant 26 candidats, obtenir plus de 73% des voix, ça c'est un record jamais égalé en RDC. C'est la première fois que nous sommes devant un tel record. Félicitons chaleureusement et sincèrement le président de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc nous lui souhaitons un fructueux mandat. La communauté congolaise vivant en Tanzanie avec le staff de l'ambassade se sont retrouvés aujourd'hui à la résidence pour célébrer la grande victoire de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi qui a été réélu avec la majorité des voix. Je tiens à vous féliciter très chaleureusement pour ce second mandat. C'est un honneur que vous méritez. Vous avez la compétence, la générosité et surtout la vision nécessaire pour développer davantage ce grand et beau pays, la République démocratique du Congo. Nous sommes ici à Paris en France, qui a été également l'un des sites de vote de la diaspora congolaise. Je tiens tout d'abord ici à féliciter de manière forte, chaleureusement, le président, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République. Et les militants de l'UDPS ont partagé leur joie au siège de cette formation politique à la 10e rue Limité après la réélection de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Retour en image de cette journée émouvante avec Jules Tshitumbay. Tous attendaient le dernier sifflet de la CENI, seule instance habilitée à proclamer le gagnant de la présidentielle du décembre 2023 de la RD Congo. Au siège de l'UDPS à Limité, ils sont là devant ces petits écrans, apparemment impatients, mais très sereins, lorsque le président de la CENI fait son entrée dans la salle du centre Bosolo. Félix-Antoine Tshisekedi proclamé président de la République, l'ambiance commence. Du coup, devant la permanence, une marée humaine venait de partout.
États-Unis d'Oké, c'est le père d'Oyate, un des Allemands d'Afrique. Même les transports en commun deviennent gratuits. Tout l'humanité est resté en ébullition, chacun veille sur l'autre pour éviter les dérapages. Pendant ce temps, Blandine Zovo, elle était à Kitambo magasin et nous décrit l'ambiance qui a régné après l'annonce des résultats provisoires par Denis Kadima, président de la Commission nationale électorale indépendante. Dimanche 31 décembre 2023, il est 10h passé de quelques secondes, nous sommes à la place Kitambo magasin. Ici, c'est déjà la fête. L'endroit est noir de monde, podium aménagé, la population en totale euphorie s'apprête déjà à célébrer la victoire de son candidat. À leur hache, alors que le bureau de la CENI annonce les résultats, tous les yeux braqués sur l'écran géant. Au moment où Denis Kadima proclame le champion Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, tout est en l'air. À chacun sa manière de vénérer le sacre, jamais un candidat président de la République n'a raflé autant de voix à ses adversaires avec un écart si considérable. C'est à 16h02, heure de Kinshasa, sous la lumière du jour, que le président de la CENI a débuté la lecture de la décision portant proclamation des résultats provisoires de l'élection présidentielle du 20 décembre 2023. Et juste après cette publication des résultats par la CENI, le carrefour, tous les carrefours de Kinshasa étaient pris d'assaut par la population congolaise venue manifester sa joie pour la réélection de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. 73,34% de suffrages exprimés. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a été proclamé par la CENI, président de la République démocratique du Congo, juste après la publication provisoire. C'était la liesse populaire à Kinshasa. Des cris d'allégresse, de caravanes motorisées, de klaxons de véhicules, de feux d'artifice, c'est là l'ambiance dans toutes les places publiques et les grands acteurs de la capitale. Cette ambiance traduit la joie de la population congolaise d'assister en direct à la reconduction du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à la tête de la République démocratique du Congo, après une victoire écrasante à l'élection présidentielle du 20 décembre 2023. La population kinoise est dans l'allégresse car Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo incarne l'espoir de tout un peuple qui aspire à l'émergence avec comme pilote Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, garant de la nation et commandant suprême de FARDC et de la police nationale congolaise. Cette population s'est réjouie du fait que la poursuite du projet de développement local de 145 territoires, la gratuité de l'enseignement primaire et secondaire, ainsi que la gratuité de la maternité est plus que certaine. Sachez aussi que la circonscription électorale de Kanyama Kasese est la seule qui a donné la majorité des voix à Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dans l'espace Grand Katanga, comme l'illustre ce reportage. Un nouveau quinquennat pour l'actuel chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les Congolais du Nord, du Sud, de l'Est, du Centre et de l'Ouest du pays lui ont renouvelé leur confiance à travers l'élection présidentielle du 20 décembre 2023, élection couplée aux législatives, nationales, provinciales ainsi qu'aux municipales. Dans l'espace Grand Katanga, c'est le territoire de Kanyama, dans la province du Haut-Lomami, les seuls qui a le plus plébiscité les candidats numéro 20 avec un vote massif à la magistrature suprême du pays.
Les raisons de ces suffrages exprimés ne sont pas trouvées ailleurs. Ce qui est fait par non loin de là, à Kadama KCC, avec le service national, c'est aussi une grande réalisation pour le président de la République. Ça ne peut que lui valoir ses résultats. Kanyama KCC a révélé ses secrets aujourd'hui. Je pense que ça a joué un grand rôle dans le vote en faveur du candidat Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. La circonscription électorale de Kanyama abrite le centre pilote de Kanyama KCC du service national. Des délinquants communément appelés Kuluna, venus de différentes provinces de la République, notamment de la ville de Kinshasa, ont été transformés en bâtisseurs à cet endroit. Les uns ont été faits maçons, les autres menuisiers, d'autres encore mécaniciens ou agriculteurs. Des vastes étendues des champs de maïs, blancs et jaunes, sont cultivées ici grâce à la vision éclairée du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a redonné les lettres de noblesse au service national que dirige le général-major Jean-Pierre Kasongo Kabwik. Le service national est donc une idée géniale de M. Laurent Désiré Kabila, pérennisée aujourd'hui par le fils du sphinx de l'IMT, Étienne Tshisekedi Wamulumba, d'heureuse mémoire. C'est grâce à toutes ces réalisations auxquelles s'ajoutent les programmes de développement à la base des 145 territoires qui ont résorbé aujourd'hui les chômages que ces dignes filles et fils de Kanyama ont voté pour Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour un second mandat. Et selon la mission d'observation électorale organisée par l'Église des réveils au Congo, les irrégularités constatées lors des scrutins combinés du 20 décembre dernier reflètent un pourcentage minime. La mission d'observation électorale Église des réveils au Congo donne une cote satisfaisante à ces élections. Rodé Panda pour plus de précisions. La République démocratique du Congo est en son quatrième cycle électoral après les trois premiers enclenchés depuis 2006. Ces quatrièmes rounds électoraux organisés par Denis Kadimba est spécial et spécifique du fait de son élargissement jusqu'aux conseillers communaux, sans oublier le vote de la diaspora à partir des pays de résidence. Plusieurs irrégularités évoquées dans ces élections générales combinées, mais son pourcentage sur la balance n'a pas d'impact négatif sur la vérité des urnes. C'est le constat fait par la mission d'observation électorale de l'Église des réveils au Congo, MOE, ERC. Précision avec le chef d'émission Jean-Martin Bravo-Yoka, introduit par David Paul Olangui, évêque général et coordonnateur de l'Église des réveils au Congo. Le chef de la mission, le révérend Jean-Martin Yoka, nous fera un rapport et bien détaillé que réellement nous avons fait un travail de qualité, un travail qui va éclairer l'ensemble de l'opinion nationale qu'internationale et toute la presse. Les élections 2023 ont vécu et méritent que, en tant que mission d'observation électorale, que nous puissions accorder une cote. Nous avons l'avantage de dire que la cote satisfaction peut être attribuée à l'organisation de ces observations, de ces élections, et nous pouvons dire que ce sont de bonnes élections. Cette mention est justifiée par la maîtrise du processus. Il y a beaucoup d'irrégularités. Si on a par exemple 1% ou 2% d'irrégularités, pour la mission d'observation électorale de l'Église du Réveil, les irrégularités qui ont été constatées ne peuvent pas avoir une grande influence sur les résultats. Nos recommandations, nous croyons que la CENI va appliquer la loi. À la question posée par la presse sur le sort du prophète Dodo Kamba à la tête de l'ERC, le révérend Jean-Martin Bravo-Yoka précise que les conseils d'État ne nomment pas. Il se limite seulement à confirmer la proposition du candidat représentant légal de l'ERC que le fondateur présente. Point un trait. Tout autre chose à présent, la situation économique intérieure et mondiale a été marquée par des multiples chocs, constat du comité de pilotage monétaire de la Banque centrale du Congo. Eugénie Chabani, reportage.
Le comité de politique monétaire de la Banque centrale du Congo s'est réuni le vendredi 29 décembre 2023 sous la présidence du gouverneur Mme Malangu Kabedimbui. Le CPM a passé en revue la situation économique intérieure et mondiale marquée en 2023 par les effets néfastes des multiples chocs. En ce qui concerne le marché d'échange, le CPM a noté qu'au 28 décembre, les taux d'échange se sont situés à 2679 francs congolais le dollar et 2688 francs congolais le dollar pour les marchés interbancaires et parallèles respectivement comparés au taux de 2655 francs congolais le dollar et 2674 francs congolais le dollar à fin novembre, dénotant ainsi une légère dépréciation sur les marchés d'échange. Le CPM a également noté que l'activité économique est restée soutenue en 2023 avec une croissance économique estimée à 6,2%. Le CPM a enfin relevé que les perspectives économiques pour 2024 restent globalement favorables avec une croissance forte et une baisse continue des pressions inflationnistes malgré les incertitudes et les risques encore élevés, particulièrement au niveau de l'économie mondiale. En conclusion, le CPM a décidé du maintien de l'orientation respective de la politique monétaire et a recommandé un suivi rigoureux par la BCC des conditions affectant la liquidité dans l'économie. Le CPM a insisté sur la nécessité pour les pays de maintenir des politiques économiques saines, prudentes et favorables à la croissance et de renforcer davantage la coordination des politiques budgétaires et monétaires. Et au ministère de l'économie nationale, les agents et cadres sont en formation des OPJ pour le contrôle des prix et la concurrence sur les marchés. Anim Balaka nous en dit un peu plus. Cette formation de 12 jours animée par des experts de haut niveau issus du monde judiciaire, universitaire et professionnel vise à renforcer les capacités du personnel de la Commission nationale de la concurrence en matière de droit pénal général, des procédures pénales, de la rédaction des procès verbaux, d'éthique et de déontologie des OPJ et des droits de la concurrence. Pour John Saya, cadre à la CONAC et participant à cette formation, cette structure de l'économie nationale a intérêt de prévenir et de sanctionner les pratiques anticoncurrentielles, de contrôler les concentrations économiques et de donner des avis et recommandations sur les questions relatives à la concurrence, surtout de sensibiliser les acteurs économiques et les publics sur l'importance d'une concurrence saine. Puisque la CONAC est censée faire des enquêtes, descendre sur terrain, et quelqu'un ne peut pas descendre sur terrain lorsqu'il n'a pas qualité. Et la qualité conférée par la loi congolaise, c'est l'officier de police judiciaire. Donc cette formation que nous avons aujourd'hui, c'est base essentiellement pour que nous acquérions les compétences d'officier de police judiciaire. Et ceci s'articule principalement sur le droit pénal général. Le coordonnateur de la CONAC a remercié le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, Vital Kamerhe, pour l'initiative. Fredin Simbaluzolo a précisé que cette formation qui se déroule au sein de la FEC va à tout prix atteindre ses objectifs. Elle a débuté le 29 décembre 2023 et prendra fin le 10 janvier 2024. On va se rendre en province plus précisément dans les Kouilou. La population d'Idiofa vient d'être sensibilisée sur le projet de développement des 145 territoires par le fils du terroir, Hugues Pouloussi Eka. C'est en fait pour lutter contre la pauvreté dans ces coins du pays. Encore une fois, Anim Balaka. Situé à plus de 600 km de Kinshasa, Idiofa est confronté à plusieurs difficultés parmi lesquelles nous citons les problèmes de manque d'eau potable, de l'électricité et l'état de la route qui mène vers ce territoire, une situation qui freine le développement de ces coins de la République démocratique du Congo. Conscient de cette situation, Hugues Pouloussi Eka, président de la fondation qui porte son nom, a effectué une descente sur la terre de ses ancêtres pour sensibiliser ses frères et sœurs sur les projets de développement de 145 territoires et de la lutte contre la pauvreté. Une recommandation du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, appuyée par le vice-premier ministre de l'économie nationale, Vital Kamerhe, a-t-il précisé. Yeah.
Maman le Fouleki. Maman le Fouleki Salou. Maman le Fouleki. Moumous Maman le Fouleki. Maman le Fouleki. Maman le Fouleki. Maman le Fouleki. Maman le Après Idiofa, Hugues Poulou-Séeka a fait le tour de 7 secteurs et villages pour les appeler à se donner au travail nuit et jour pour le développement de leur contrée. Signalons que Maître Poulou-Séeka a visité là-bas Banga Banga, Mbel Moukol, Kipamou, Mangaï et Lakas. Partout où il est passé, cet acteur de développement a prêché l'amour de la patrie pour développer le pays. Terminons par cette inauguration du studio radio de la RTNC Olomami, images et commentaires. La radio-télévision nationale congolaise, station provinciale du Olomami, s'est fait peau neuve avec la modernisation d'un studio radio répondant aux normes et standards internationaux. Une concrétisation réalisée par le directeur provincial intérimaire Barthélémy Noël Kazadi Kaboulo grâce à l'appui financier du gouvernement provincial que dirige Dr. Yumba Kalinga Mushimbi Isabelle. Tout un pimpant neuf au studio, de la lumière, des leurres, de la ventilation en passant par des sièges, des micros fantômes avec console, des casques professionnels, une table de spiquage, des murs mieux garnis pour un son acoustique, même des corps de modernisation plantés à la technique, équipés d'un mixeur audio à 8 pistes, un moniteur et son unité centrale, un post-récepteur et des stabilisateurs. Ces beaux studios modernes ont été portés sous les fronts baptismaux par le commissaire général à la communication, Ilunga Masumba Norbert, représentant de la gouverneure de province, en présence du chef de division de la communication, des directeurs provinciaux du Renatelsat et de l'ACP, des radios communautaires, RCK et Héritage. Avant de procéder à la coupure du ruban symbolique, le délégué syndical principal, Julien Kassongo, a au nom des agents et cadres de la RTNC, reconnu les efforts entrepris par le directeur provincial pour l'amélioration des conditions de travail. Pour sa part, le commissaire général à la communication, Ilunga Masumba Norbert, a rassuré aux agents RTNC l'accompagnement du gouvernement provincial pour le bon fonctionnement de cette chaîne publique. Est venue ensuite la coupure du ruban symbolique sous les acclamations frénétiques de l'assistance. Sous la conduite du directeur provincial ad intérim, le commissaire général à la communication et toute l'assistance ont visité le nouveau studio. Occasion faisant les larrons, la première émission a été produite par la journaliste Sifa Monga. Le délégué syndical principal a procédé à la distribution de vivres composés de riz, de la viande, de l'huile végétale et une enveloppe aux agents. Mot d'ordre de Madame le directeur général Sylvie Elenge Nyembo, matérialisé dans le Olomami par le directeur provincial intérimaire Barthélémy Noël Kazadi Kaboulo. Fin de ce journal, mais avant de se quitter, le rappel des titres. Le suspense est tombé. La CENI a publié le résultat provisoire de l'élection présidentielle de décembre. La radio-télévision nationale. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, réélu président de la République démocratique du Congo avec 73,34% des voix. Vous avez suivi différents reportages relatifs à cette réélection. Voilà, c'était un réel plaisir pour nous de vous tenir compagnie à travers cette édition des 7 heures. Mesdames, Messieurs, merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci pour votre confiance et fidélité à la télévision nationale congolaise. Nous disons merci également à Patrick Bakwila et à Papi Nguinama qui l'ont réalisé. La partie technique a été assurée par Jean-Si Matondo, Gabi Konga, Alain Galia, Jonathan Moubalama et Émile Zola. À leur nom, je vous dis merci de votre confiance et fidélité à la télévision nationale congolaise. L'information revient à 13h30 et ce sera avec Gaëtan Magalan à la présentation. Je vous souhaite de passer une très belle journée en compagnie de nos programmes et surtout, bonne et heureuse année à toutes et à tous.